Bobarouge vient d'être réouverte à la circulation grâce à une patrouille de combat des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ce dimanche 29 mai dans la matinée. Il s'agit des patrouilles de combat qui sont parties, l'une de Goma et l'autre de Rutshuru, avec comme lieu de jonction Kibumba. Voilà, il s'agit de la réouverture de l'axe Goma-Rutshuru qui a été coupé, comme vous le savez, il y a de cela 4 à 5 jours, n'est-ce pas? L'ennemi est venu du Rwanda pour venir attaquer nos positions et ils ont du coup coupé le trafic sur cet axe d'intérêt national. Et aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de réouvrir cet axe. Il y a eu, bien évidemment, une patrouille de combat. Deux patrouilles de combat, plutôt une qui est partie de Goma vers la place communément appelée Trois Antennes sous l'inspection du général des brigades Chico Chitambo et qui est de la garde républicaine, et une autre qui est partie de Rutshuru jusqu'à cette place sous l'inspection du général-major Kirimwa Mikitel qui se trouve être le commandant du secteur opérationnel qui est sous la deux. Donc, cette route vient d'être réouverte par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'est là la grande satisfaction de notre population. Voilà. Il vous souviendra que cette route d'intérêt national avait été coupée en deux lors de l'attaque de nos positions à Rwanda et Kibumba le 24 et le 25 mai par l'armée rwandaise. Notons que cette route